Madame Manteau, bonsoir. Bienvenue à 24/60. Bonsoir. Et félicitations pour ce prix Renaudot, reçu avec grande surprise et grand étonnement de votre part, n'est-ce pas? Vous ne vous y attendiez pas puisque vous n'étiez pas sur la liste des finalistes. Et votre nom, votre œuvre a ressurgi. Comment l'avez-vous accueilli? Exactement. Ben, je l'ai accueilli d'abord comme une blague, sincèrement. C'est vrai que j'étais sortie de la liste des finalistes et donc je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on m'appelle. Donc un quart d'heure avant, mon éditeur m'a appelé, j'étais à Marseille, donc j'habite même pas à Paris, pour me dire que j'avais gagné le Renaudot. J'ai d'abord cru qu'il me faisait une blague, vraiment très sincèrement. Je lui ai dit, je vais attendre que ça soit annoncé à la radio pour y croire. Et donc voilà, j'ai attendu patiemment jusqu'à 13h l'annonce officielle pour prendre un train et venir arroser ça au champagne avec mes collègues. C'était vraiment... c'était une super surprise. Alors, commençons par le commencement, si vous voulez bien, Valérie Manteau. Le titre, Le Sillon. D'ailleurs, vous dédiez Le Sillon, et je vous cite vous-même, est dédié à ceux dont l'absence et le souvenir résonnent entre ces lignes. Pourquoi ce titre? Le Sillon, d'abord, c'est la traduction d'un titre, du titre d'un journal turc, puisque le livre se passe en Turquie et raconte une année que j'ai passée en Turquie. Le Sillon, en turc et en arménien, il y a un mot qui veut dire le sillon, qui est Agos. Et c'est le titre d'un journal qui existe encore aujourd'hui, qui est dédié à la coexistence pacifique des minorités en Turquie, et notamment à la minorité arménienne. Je pense que tout le monde sait, par chez nous, par chez vous, qu'il y a eu un génocide arménien en Turquie. Mais en Turquie, le négationnisme continue. Et donc ce journal essayait de faire prendre conscience à la population turque de l'histoire de la minorité arménienne en Turquie. Et son directeur, Hrant Dink, a été assassiné en 2007 au pied de son journal pour avoir défendu cet idéal de paix, de la communion des communautés en Turquie. Et moi, j'ai découvert cette histoire un peu par hasard en 2015, après les attentats de Charlie Hebdo. Et j'ai voulu raconter cette histoire parce qu'elle avait beaucoup de proximité avec l'histoire de Charlie, me semblait-il. Et que pour moi, qui avais vécu de très près les attentats de Charlie, c'était un fil intéressant à dérouler. Ouais. Donc voilà, c'était ça le début de l'histoire. Par ailleurs, le sillon, pour une oreille française en tout cas, c'est un mot qui évoque l'hymne national. Nous, dans la Marseillaise, on a ce vers, qui est d'ailleurs le plus problématique de la Marseillaise, qui est « qu'un sang impur abreuve nos sillons ». Ouais. Et c'est vrai que, alors, en plus du fait que c'était le titre du journal de Hrant, pour moi, je trouvais que d'avoir donné ce titre-là à un journal pour quelqu'un qui avait été assassiné par un nationaliste, c'était tristement ironique, ça disait des choses. C'était une façon de parler aussi du nationalisme, pas que en Turquie, parce que ça ne concerne pas que la Turquie, de le ramener aussi à l'échelle française, à l'échelle européenne, de dire que ça ne se passe pas que dans cet Orient compliqué, orientalisé, ça nous concerne aussi. Voilà, je crois que c'est ça le début de l'histoire de ce livre. Oui, parce que ce journaliste a été assassiné après avoir été maintes fois menacé, invité même à partir. Il ne voulait pas céder à la peur, vous le décrivez très bien. Il y a même la métaphore des colombes. Il se décrivait comme un oiseau inquiet. Oui, c'est une des choses les plus bouleversantes de son histoire. Vraiment, cet homme a d'abord une histoire très romanesque que je raconte par petites bribes dans le livre. Mais c'était un orphelin, quelqu'un qui a grandi à l'orphelinat, qui est devenu directeur d'orphelinat, qui ensuite a créé une maison d'édition, une librairie, un journal, qui est parti de rien et qui est devenu cette cible exposée à la rage des nationalistes. Et dans le dernier éditorial qu'il a publié le jour de sa mort, il parlait de son état d'inquiétude face aux menaces qu'il recevait tous les jours. Et il disait qu'il vivait dans la peau d'une colombe. Mmh. Enfin, une colombe ou un pigeon, parce qu'en turc, les deux mots sont quasiment les mêmes. Enfin, le même mot désigne les deux oiseaux. Et bon, la plupart du temps, on traduit par colombe. Il dit, je vis dans l'inquiétude d'une colombe, au milieu des villes, à toujours me demander, à me retourner, à regarder derrière, sur le côté, devant, à me demander qui pourrait jeter la première pierre. Et il finissait sur une sorte de note d'espoir en disant, mais je sais que dans ce pays, on ne fait pas de mal aux oiseaux. Et il a été assassiné le jour même de la publication de cet article. Ouais. Voilà, c'est une chose parmi d'autres, mais à laquelle je me suis reliée de l'histoire très émouvante de cet homme-là. Ouais, découvert au hasard, donc. Et on peut aussi faire le lien avec le titre « Le sillon ». Vous-même, vous vous inscrivez dans ce sillon de cette créé par la violence des attentats. Vous avez vécu Charlie Hebdo de
parce que vous y avez perdu des proches. Vous avez été dans le passé éditrice de Charlie Hebdo. On est à la veille du Bataclan. On est à la veille de l'armistice. On est à la veille, il y a une conjoncture qui nous rend ce livre, ce roman, absolument passionnant et aussi inquiétant. Est-ce vous qui le dites ou c'est Ding qui le dit aussi, la population turque qui ne veut pas vivre au pays, justement, des colombes assassinées? Mais personne ne veut vivre dans un pays de colombes assassinées. Les Turcs, pas plus que nous. C'est vrai que la Turquie, encore plus que la France, a été victime d'attentats ces dernières années ravageurs, attentats islamistes. Alors, c'est vrai que moi, j'ai perdu des proches dans l'attentat de Charlie. Ça m'a rendue très réceptive à cette histoire et au drame que vit la Turquie aujourd'hui, qui est au premier rang des attentats. Il y en a eu beaucoup plus. Il y a eu beaucoup plus de morts en Turquie qu'en France, ce qu'on a parfois un peu de mal à... On réalise mal quand on a des attentats en plein cœur de Paris que les pays, les premiers exposés sont les pays musulmans en termes de nombre de morts. Mais moi, je trouvais que justement l'empathie et le transfert d'un pays à l'autre, moi, m'a fait beaucoup de bien de comprendre que ce n'était pas une guerre de civilisation, pas en tout cas pays contre pays. C'est une guerre contre un certain mode de vie dans nos pays et qu'en Turquie, moi, c'est ce que j'ai voulu raconter aussi dans ce livre, la vie de la jeunesse qui veut, ou de la jeunesse et de tous les âges d'ailleurs, qui veulent vivre pacifiquement, qui veulent aller au théâtre, qui veulent lire des livres, qui veulent aller boire des verres alcoolisés ou pas, manger ou ne pas manger pendant le ramadan. Ouais. Cette vie-là, elle existe à Istanbul, elle essaye de subsister et elle est mise sous pression. Et moi, j'ai voulu raconter la survie de ce mode de vie-là à Istanbul dans le contexte aujourd'hui. La survie de ce mode de vie, de ce vie-là à l'européenne et à la manière turque imposée par Erdogan, parce que vous allez quotidiennement ou presque entre la rive européenne, la rive asiatique. Vous avez, vous racontez ce tabassage à l'occasion du ramadan, justement parce qu'on boit de la bière, les jeunes se rassemblent et cette peur qui croit au fil des pages, parce que vous êtes témoin en 2016, au moment même où Nice se produit d'ailleurs, hein, l'attentat de Nice en juillet, le 14 juillet, c'est arrivé le même jour que la tentative de coup d'État, et vous décrivez, presque écrivant chez nous, une certaine frayeur, une peur de cette répression, la tyrannie, l'étouffement de la démocratie qui s'installe en Turquie avec Erdogan. Je pense qu'en Turquie, un des plus gros problèmes de la Turquie, c'est son emplacement stratégique. Vous dites qu'ils vivent à l'européenne, mais ils vivent vraiment à la Turque, à Istanbul. C'est un mode de vie très particulier qui est à l'image de ce pays, qui est la plaque tournante de tout ce qui se passe en ce moment. Et les feux sont croisés sur la Turquie. Je compare pas vraiment la situation des autres pays occidentaux avec la Turquie, parce que c'est pire en Turquie. Il y a les attentats terroristes que nous avons aussi connus en France. Mais la situation politique depuis le virage d'Erdogan décroît, enfin, est de plus en plus catastrophique de jour en jour. Et c'est vrai que l'année 2016 que moi j'ai passée en Turquie, on alternait les nouvelles entre les attentats terroristes, les crises diplomatiques entre la Russie et la Turquie par exemple, la tentative de coup d'État. C'est vrai qu'il ne se passait pas un jour sans des nouvelles de plus en plus catastrophiques. On a l'impression d'être en première ligne quand on est en Turquie. Ouais. On est en première ligne, mais ça ne veut pas dire que nous autres, nous ne sommes pas en seconde ligne. Mais c'est vrai que là-bas, les choses sont plus effrayantes parce qu'elles sont beaucoup plus immédiates. Et vous vous demandez à un moment évidemment, après la tentative de coup d'État, on a vécu cet effondrement très particulier, quasiment sous nos yeux, visible jour après jour, de l'état de droit. Erdogan a littéralement détruit l'état de droit en Turquie. Il n'y a plus de justice. On apprenait tous les jours des arrestations, des motifs d'accusation plus grotesques les uns que les autres. Et ça continue. Enfin, là, il y a vraiment une situation très particulière. Cela dit, la montée des populistes et l'abîmement de la démocratie, ça concerne malheureusement de plus en plus de pays. On le voit bien, la montée des populistes en Europe. Aux États-Unis, au Brésil maintenant. Enfin, on ne compte plus les pays maintenant qui sont sur des pentes glissantes, hein, pour ne pas dire pire. Valérie Manteau, nous parlions des populismes qui montent. On vient de vivre au cœur même de la Turquie un drame géopolitique très important. Est-ce que vous seriez capable de faire un lien entre ce qui se passe avec l'affaire Khashoggi, par exemple,
le fait que voilà ce journaliste qui a été assassiné au consulat saoudien en Turquie, avec la Turquie qui dénonce le traitement qui lui a été réservé, alors qu'il y a tellement de journalistes emprisonnés en ce moment même en Turquie. Vu de Marseille, où vous travaillez, où vous vivez, comment voyez-vous la chose évoluer? Avec beaucoup d'ironie, malheureusement. Je trouve que le drame de l'assassinat de ce journaliste à Istanbul donne la possibilité à Erdogan de se parer de cette image de défenseur de la presse, bon, qui devrait simplement faire tristement sourire, vraiment. Il y a des centaines de journalistes qui ont été arrêtés, des dizaines de médias qui ont été fermés, l'assassinat de Ranting n'est pas du tout un cas isolé dans l'histoire de la Turquie, des journalistes assassinés. Il y en a des dizaines de ces dernières années en Turquie. Et la complicité des meurtriers de Rant n'a toujours pas été élucidée et très probablement remonte jusqu'en haut de l'État. Donc je pense que là, vraiment, il faut prêter une oreille très, très critique à ce que Erdogan peut bien avoir à nous dire sur la liberté, le soin qu'il faut prendre de la vie des journalistes, vraiment. Par ce livre, Le Sillon, vous redonnez la parole à Handing, vous redonnez la parole à cette romancière, Asli Erdogan, vous redonnez la parole aussi à des dissidents, des gens qui réclament cette liberté d'expression. Vous allez peut-être retourner en Turquie bientôt, on comprend votre amour pour Istanbul. Est-ce que vous êtes vous-même un oiseau inquiet? Est-ce que vous risquez gros en retournant en Turquie, puisque vous donnez la parole à ces gens-là? Vous les faites revivre, au fond. J'ai essayé dans ce livre de prendre le relais justement de personnes qui ne peuvent plus parler parce qu'elles ont été assassinées ou qu'on essaye de faire taire, comme Aslı Erdoğan, comme d'autres gens, Necmi Alpay, Selahattin Demirtaş qui est aujourd'hui en prison, Ahmet Altan, merveilleux écrivain, grand journaliste qui est aujourd'hui en prison. Évidemment, moi je me suis dit qu'on essaye de faire taire ces gens et que notre rôle à nous, chacun à notre place, mais à moi qui écris, c'est de venir relayer leurs paroles. Je le fais aussi avec une beaucoup plus grande sécurité qu'eux. Évidemment, c'est une façon de ne pas les laisser en première ligne, puisque eux peuvent être arrêtés du jour au lendemain, et l'ont été, peuvent être condamnés sous des motifs complètement grotesques. Ahmet Altan a été condamné à perpétuité pour avoir envoyé des messages subliminaux à la télévision. Mmh. C'est quand même ça, la chose qui lui est reprochée. Moi, je suis inquiète pour eux, surtout. Je ne suis pas inquiète pour moi. On ne peut pas tellement savoir. C'est difficile de savoir ce qu'on risque quand la justice n'a plus trop de sens et quand les règles du droit ne sont pas respectées. Cela dit, j'ai conscience d'être relativement protégée par rapport à tous ces gens. Donc notre responsabilité, elle est aussi de prendre ce risque. Vous citez le chef de l'opposition. Oui, je retournerai en Turquie. Enfin, jusqu'à ce qu'on me dise le contraire, j'y retournerai. Oui. Vous citez le chef de l'opposition au moment de la tentative de putsch. Vous dites aussi peut-être que même les anti-Erdogan n'auraient pas nécessairement souhaité la prise du pouvoir par les putschistes, mais en citant le chef du parti d'opposition, vous dites vouloir la paix, c'est un délit en Turquie. Et insulter la Turquie. Le fait est qu'il a été arrêté juste après avoir dit ça. Et qu'il est aujourd'hui en prison, il risque 142 ans de prison, Selahattin Demirtaş, pour participation à une entreprise terroriste. Moi, j'ai des amis, on connaît tous, enfin, les gens qui travaillent en Turquie, les universitaires qui ont signé cette pétition pour la paix au Kurdistan sont aujourd'hui inculpés pour propagande terroriste, voire pour participation à une entreprise terroriste. Donc, littéralement, appeler à la paix dans ce pays, aujourd'hui, est un crime. C'est un problème abyssal, et c'est bien le signe, il n'y a plus de droit. Il n'y a plus de droit. Et dans une scène très... Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? C'est un peu écrire, peut-être prendre la plume, creuser davantage le sillon de la parole par le roman. Dans une scène assez émouvante, il y en a plusieurs dans le livre, vous allez retracer la tombe de Randink et vous vous y présentez avec des mules, enfin des sandales, bon, tout simplement, puis une jupe très courte, puis vous vous demandez... À un moment donné, si vous pourrez toujours vous promener en Turquie avec une robe courte, vêtue à l'occidentale, c'est pour bien illustrer, dans le fond, la transformation de cette société, parce que vous décrivez aussi l'omniprésence des femmes voilées, vêtues de noir, évidemment, là, avec sans doute le niqab et d'autres vêtements là, très, très éloquents, non? C'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que le personnage de la narratrice est encore plus ingénu que moi, je dirais. Et Istanbul, c'est une ville très diverse.
d'un quartier à l'autre, la population change et la façon de s'habiller change aussi beaucoup. Et c'est vrai que moi, j'habitais dans le même quartier que là où j'ai placé le roman, c'est-à-dire à Cadiqueuil, qui est un quartier très multiculturel, très ouvert, où pendant l'été dans lequel je raconte cette scène, la plupart des femmes sont en jupe, en mini-jupe, il y a très peu de femmes voilées à Cadiqueuil. Mais la tombe de Randink est dans un quartier beaucoup plus conservateur. C'est l'ancien quartier arménien, mais aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'Arméniens à Istanbul. Et c'est un quartier où se sont installées les nouvelles minorités de la ville, et notamment beaucoup de Syriens, de Syriennes. Et les femmes syriennes sont beaucoup plus conservatrices que les Turcs et sont très souvent voilées. Et c'est pour ça que quand j'ai déplacé ma narratrice jusqu'à la tombe de Rant, elle change d'un quartier et elle se retrouve en sortant du tramway dans ce quartier conservateur. Il fait 40 degrés, elle est en robe, en tongs, ce qui ne pose aucun problème. Elle n'a d'ailleurs aucun problème, et moi je n'en ai jamais eu à Istanbul, à titre personnel. Mais elle se retrouve d'un coup au milieu de femmes, tout en noir, comme il y en a aussi beaucoup dans certains quartiers. Elle se retrouve à aller demander aux policiers son chemin pour aller jusqu'à la tombe de Rant, dont on sait que la police a probablement été complice de son assassinat. Et donc elle se demande effectivement, c'est plus un questionnement sur sa propre ingénuité qu'un questionnement sur le changement de la Turquie, c'est-à-dire jusqu'à quel point... quand on est étranger, on met les pieds dans le plat. Est-ce qu'on est en train d'être naïf? Ou est-ce que simplement on est en train de découvrir une nouvelle culture? Moi, cette question-là, elle m'a beaucoup intéressée en tant qu'étrangère dans ce pays qui est très complexe. En terminant, vous déplorez... Il y a eu des manifestations en 2007 au moment de la mort de ce journaliste que vous nous faites connaître, Randink. Il y a eu quelques manifestations, mais pas celles qu'on a connues au lendemain de Charlie, où on a vu « Je suis Charlie ». Aujourd'hui, avec l'évolution, le populisme, la montée de la droite, les attaques, parce que Dink était décrit comme un ennemi public, l'ennemi du peuple, hein, dans les circonstances que vous décrivez. Aujourd'hui, on entend Trump dire que les journalistes sont les ennemis du peuple. Si on avait à dire quelque chose, je suis Charlie, est-ce que ça tient la route encore? Qu'est-ce qu'on serait aujourd'hui? Je pense que je suis Charlie, la force du slogan je suis Charlie. Moi, ce qui m'a intéressé au début dans cette histoire, c'est de découvrir qu'à l'enterrement de Dink, les Turcs sont sortis dans la rue et il y a eu une manifestation énorme, des centaines de milliers de personnes, au slogan de « Nous sommes tous arméniens ». Et pour moi, « Nous sommes tous arméniens », c'est aussi fort que « Nous sommes tous Charlie ». Ça veut dire « Nous faisons front avec les cibles ». Vous voulez cibler les Arméniens, mais nous sommes tous arméniens. Vous avez voulu cibler Charlie et les gens sont sortis dans la rue en disant « Si vous voulez tuer Charlie, vous devrez nous tuer, nous tous ». Et il y avait 4 millions de personnes dans la rue en France et des manifestations dans le monde entier. Moi, je pense que la force de cette idée-là, pas de Charlie en tant que tel, de la force du slogan « Je suis Charlie », elle est immense. Elle est de dire « Nous faisons front ensemble ». Moi, je ne vois pas, il n'y a pas de slogan qui a autant de force aujourd'hui. Il faut utiliser celui-là, je pense. Il faut continuer à utiliser ça. Ça a immensément de sens, évidemment. Ouais. Ce que Trump incarne à la face du monde en ce moment est terrifiant. Valérie Manteau, merci de nous avoir accordé cet entretien. Continuez de célébrer ce prix Renaudot. Et certains parlent de votre livre comme, bien sûr, un roman, mais certains y ajoutent la force d'un grand reportage, d'un document. On y retrouve beaucoup d'émotions, beaucoup d'informations, et il est absolument passionnant. On le dévore. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Merci.